lire dans Hébreux chapitre 1. We are going to read in Hebrews chapter 1. Versets 13 et 14. Verse 13 and 14. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Amen. Ce passage, this passage nous enseigne deux vérités fondamentales. Teaches us two basic truths. La première vérité, c'est que Jésus n'est pas un ange. The first truth is that Jesus is not an angel. Certains ont pensé que Jésus est un ange qui appartient à un collège des anges. Some people thought that Jesus is an angel who belongs to a group of angels. Vous savez avec moi que Jésus est Dieu. So you see that Jesus is God. Et la parole de Dieu précise que, est-ce que vous avez déjà entendu Dieu dire à un ange, tu es mon fils? The word of God precises that, have you ever heard that God tells an angel that you are my son? Il l'a dit à Jésus. He said it to Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Et la parole dit que les anges sont des esprits que Dieu envoie pour servir auprès de nous. And the word says pour accomplir that des missions, des ministères auprès des enfants de Dieu. So the word says that angels are beings that the Lord sends in order to minister to the children of God, to fulfill some missions toward the children of God. Ce n'est pas le moment de parler du ministère des anges. It's not a time to talk about the ministry of the angels. Parce que le temps est pour l'intercession. Because this time is for intercession. Mais parce que Dieu utilise beaucoup d'anges pour nous exaucer, il faut que je dise quelque chose là-dessus. Because God uses many angels to grant us, I should say something about that. C'est une grâce d'abord. It's first of all a grace. Que les enfants de Dieu invoquent leur Père. That the children of God call upon their father. Et ils expérimentent des interventions des anges qui viennent accomplir les promesses de Dieu dans leur vie. And they experience the promises of angels who come to. They experience the angels that come to accomplish the promises of God in their lives. Il y en a qui ont subi des interventions chirurgicales dans les visions par les anges. Some. Je dis, il y a parmi nous des témoignages pleins. There are many testimonies in our midst of some brethren who went through surgical intervention from angels. Il y en a qui ont vu les anges descendre, aller au fond de la mer, les enlever et les délivrer des envoûtements. Some of them saw angels coming down deep down under the sea in order to deliver them straight away. Un frère nous a dit l'autre jour, il dirigeait la veillée, il lui-même était malade. A brother told us last time he was leading the prayer night, himself was sick. Il dirigeait la croisade, pardon. He was leading the crusade. Il est parti d'Abidjan, il arrive à l'intérieur, on lui dit, bon, c'est toi qui conduis aujourd'hui. He went from Abidjan and he got in his mission field and they told him, you are the one who is going to lead today. Et pendant qu'il dirigeait la prière, and while he was leading the prayer, il lève les yeux, il voit un ange à l'entrée, à la porte. And he raised his eyes and saw an angel at the door. Le résultat, the result, c'est sa guérison totale. It was his total healing. Mais, but, ne lève aucun sujet de prière adressé à un ange. But never address any prayer topic to an angel. Ne dis pas ange Michel, pardon, viens. Ange Gabriel. Do not say pardon, angel Michael, please come. Angel Gabriel, please come. On parle à Dieu. We speak to God. Dieu donne des missions à ses anges. God gives missions to his angels. Jésus a dit, Jesus said, si je voulais, if I leave you, je peux prier, je demande à mon Père d'envoyer
Des anges, il allait envoyer des légions d'anges. If I ask my father to bring angels, he would bring legions of angels. Ne cherche même pas le nom des anges. Do not even seek to know the rules of the angels. Parle à Dieu. Speak to God. Quand il est touché, when he is moved, lui il envoie des anges en mission. He sends angels. Nous avons vu hier. We saw it yesterday. Daniel parlait. Daniel was speaking. Il n'a prononcé le nom d'aucun ange. He did not even utter the names of any angels. Il confessait les péchés de son peuple. He was just confessing the sins of his people. Il disait à Dieu, he told God, nous avons péché. We have sinned. Nos chefs, our chiefs, n'ont pas écouté tes prophètes. They didn't listen to your prophets. Nous-mêmes, we ourselves, nous n'avons pas écouté les prophètes. We didn't listen to the prophets. Nous avons choisi des faux dieux. We chose false gods. Et ta parole, and your words, s'accomplit maintenant contre nous. Is now being fulfilled against et us. Et nous souffrons. And now we are suffering. Et nous souffrons. We are suffering. Nous sommes en captivité. We are in captivity. Il dit, oh Dieu, écoute. He said, oh God, oh Dieu, listen. Pardon. Oh God, oh Dieu, exauce. Oh God, Pam. Pam. Un ange se trouve auprès de lui. An angel is found near him. Il lui dit, and tells him, depuis le premier jour, starting from the first day, dès que tu as ouvert la bouche, as soon as you opened your mouth, on m'a envoyé vers toi. I was sent to you. Mais quand je suis arrivé, but when I came, le prince de ce pays, the prince of that country, le prince de ce royaume, the prince of that, c'est-à-dire le méchant esprit dans les lieux célestes qui gouverne les intérêts de Satan dans ce royaume. That is the wicked spirit in heavenly realms that rules over the interest, I mean, m'a barré la route. That controls the interest of Satan in that land, barred the way. Hallelujah. To me, he barred the way. Mais Michel est venu me libérer. And Michael came to deliver me. Je suis venu auprès de toi. But I have now come to you. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Donc c'est normal. So it is normal. Dans la Bible, on dit les anges sont partis délivrés. Pierre était en prison, il priait. L'ange lui a dit, lève-toi, porte les souliers. C'est comme les mythologies. Ce ne sont pas des mythes, ce sont des réalités spirituelles. Nous avons la grâce de Dieu de les vivre. In the Bible, we know the story of Peter. He was in the prison and an angel came and taught him to put on his feet and get out. People think they are myths. They are not myths. They are real. We experience them nowadays. Je vous promets un livre. I promise a book to you. Qui montre comment l'ange est venu en vision. Who showed how the angel came into in et vision. Le résultat palpable dans le monde physique. And the tangible result in des the guérisons living. Avec des preuves, avec des bulletins, healings avec des examens. With evidences, with control, analysis and controls, pour vous montrer to show you que Jésus est vivant, that Jesus is alive, que Dieu n'a pas changé, God has not changed. Il a dit aux enfants d'Israël, he told the children, mon ange marchera avec my vous, angel will walk with you, mais ne commettez pas le péché, but do not sin, parce que si vous commettez le péché, because if you sin, il va vous frapper, he will strike you, il va vous tuer, he will kill you. C'est pour cette raison, that's why, que dans le combat in the warfare, contre les principautés, against principalities, ce que nous enseignons, what we teach, c'est que le premier pas, is that the first step, c'est la réconciliation authentique avec Dieu, is genuine reconciliation, c'est l'abandon des idoles, the forsaking of idols, tout ce qui s'accroche à ton cœur, all that clings to your heart, tout ce qui veut t'éloigner de Dieu, all that wants to take you, tu dois l'abandonner. You must abandon it. Quand Dieu est honoré, when God is honored, par des cœurs qui se consacrent à lui, by hearts that are devoted to him, il va faire des merveilles. He will work wonders. Parce qu'il n'attend que ça. Because he's only waiting for that. Nous avons atteint le niveau où, we have come to the level where, si tu as le cancer, ne crains pas. If you are suffering from cancer, prie seulement. Do not fear, just pray. L'autre jour, une sœur a rendu témoignage. The other day, a sister testified. Elle avait mal au sein. She had a pain in her breast. Ça, c'était le début du cancer. That was the beginning of a cancer. Quand j'ai analysé son témoignage. When I analyzed her testimony. Elle a vu le Seigneur. She saw the Lord. Qui a opéré son sein. Who operated her breast. A levé les objets.
and removes some objects. Est-ce qu'elle est là? Is she around? Elle n'est pas là ce soir. She's not around this afternoon. Et le Seigneur a fermé le sein et guéri. La douleur est partie. And the Lord closed it. The priest was healed and the pain went. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Donc, chers frères, so, beloved brethren, Dieu fait ces choses-là. God does these things pour nous amener à une autre manière de croire en lui. To bring us to another way of believing in him. Quand nous prions ici, when we pray here, sois seulement concentré. Just be focused. Après la prière, after the prayer, Dieu a une administration. God has an administration qui va fonctionner. That will work. Certains seront délivrés dans leur sommeil, d'autres en marchant. Une sainte dit qu'elle ne sait pas quand elle a été guérie. Some will be delivered while sleeping, others while walking. A sister told us the other day that she didn't even know when she was healed. Après 18 ans de maladie, after 18 years of sickness, on ne l'a pas touchée. She was not touched. Je ne connais même pas son nom. I don't even know her name. Je ne peux pas me dire là que quand je l'ai touchée, le feu est sorti de ma main. I cannot tell you that when I touched her, fire came out of my hand. Je crois au Seigneur Jésus. I believe in the Lord Jesus. Je crois que si nous invoquons son nom, I believe that if you call upon his name, même s'il faut t'opérer, il va le faire. Even if you are to be operated, he will do it. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Je vous dis la vérité. I tell you the truth. Pour croire, to believe, que Jésus-Christ, that Jesus Christ, guérit du sida, heals from AIDS, du cancer, from cancer, j'ai beaucoup prié pour moi-même. I prayed a lot for myself. Parce que ma foi s'est manifestée premièrement contre les méchants esprits. Because my faith was first manifested against the wicked spirits. J'étais jeune converti. I was a young convert. On chassait un démon. We were casting out a demon. Un frère aîné commandait. And a brother was commanding. Commandait. He was commanding. J'étais à côté. I was around. Le démon criait. The demon was shouting. Moi aussi, comme j'assistais, j'essayais d'attraper la sœur pour qu'elle ne bouge pas trop. So as I was present, on essayait de la maîtriser. Nous étions deux. We were trying to master the sister. There were two of us. Après, j'ai dit. After I said, au nom de Jésus. In the name of Jesus. Le démon criait. Ah! The demon was shouting. Ah! Ne dis plus ce nom. Ne dis plus ce nom. No man name. Say this name. Ah, c'était là mon baptême de la foi contre les démons. That's where I got the baptism in faith. Alléluia. Je me suis dit, donc c'est vrai. I told myself, so it is true. Je croyais que, bon, comme c'est les autres là, peut-être il y a quelque chose derrière. I thought, since it is the others, maybe there's something quand ce nom sort de ma bouche, that name came out of my mouth. Et le démon crie. And the demon shouts. Et me demande de ne plus prononcer ça. And he tells me no more to utter it. C'était fini. It was finished. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? De telle enseigne que quand tu me partages ton problème. So that when you share your problem, your trouble to me. S'il y a un signe que ça vient d'un démon, moi je sais que tu es déjà sauvé. If there is a sign that it is from a demon, I know that you are already saved. Mais il restait le cancer. But there was the cancer left. Le sida. And AIDS. Maintenant. Now. J'ai dirigé une croisade. I was leading a crusade. Une sœur dit, a sister said, qu'elle avait une tumeur dans son cerveau. That she had a tumor in her brain. Et elle avait souvent des crises. And she only went through crises. Parfois, sometimes, elle est dans la douche, elle sort nue. She is in the bathroom and she comes out naked. Parfois, elle est au marché. Sometimes she's at the market. Elle tombe. She falls down. Les gens, elle se réveille, elle est dans les mains de quelqu'un inconnu. When she comes to herself, she is within the hands of unknown people. Elle dit qu'un jour, she said that one day, elle a demandé le prix. She asked for the price d'un article. Of an article. On lui a dit
une certaine somme là. Elle a sorti 300 000. Elle a remis à la personne. They gave the price and she took out 300,000 and gave to the person. La femme qui vendait avait peur. The woman that was selling was afraid. Elle a dit, assieds-toi, madame, qu'est-ce que vous avez? He said, sit down, madam, what do we have? Vous savez, même si vous avez l'argent, tu demandes 2-3 000 francs à quelqu'un, il te donne 300 000. See, tu as peur. And he asks for 2 or 3 thousand to someone, he gives you 300,000. Après, elle revient en elle. And after, she came to herself. Donc, pendant la croisade, during the crusade, elle a dit, she said, Dieu, oh God, donne-moi un nouveau cerveau. Give me a new brain. Parce qu'on conduisait la prière. Because we're leading dans the prayer. La nuit. In a night, dans une vision, Jésus lui montre elle-même couchée. In a vision, une autre elle-même debout. C'est-à-dire elle-même étant debout, l'autre elle-même étant couchée. In a vision, Jesus showed her in two different persons, one standing and the other one lying down. Et Jésus a pris le nouveau cerveau et a mis dans sa tête. And Jesus took the new brain and put it in her head. Quand elle s'est réveillée, when she got up, elle dit qu'elle ne supportait pas les bruits. She said that she could not bear the noise. Elle a fait une semaine. She spent 1 week sans douleur, without pain, avec tous les bruits de la croisade, tous les cris qu'on pousse. All the noises and all the shouts of the crusade. Elle a dit non, il faut que j'observe encore. She said that no, I should observe again. Une semaine. 1 week. 2 semaines. 2 weeks. Elle m'a appelé. She called me. Elle dit, j'ai un témoignage. She said I have a testimony. Mais j'ai honte, je tremble. But I'm ashamed. I'm trembling. Même si tu trembles, tu vas rendre. I told her even if you are trembling. Elle a rendu son témoignage. She testified. Jésus a enlevé la tumeur. Jesus removed dans the tumor le cerveau. In her brain. Je vous ai parlé de Lucie. I talked to you about Lucie. Missionnaire numéro 2 de San Pedro. Second missionary number 2 in San Pedro. On l'avait programmé qu'on devait amputer son pied. It was planned that her leg was to be amputated. Dans la nuit. In a night, Jésus est entré dans sa chambre au sud de Cocody. Jesus entered her room in the University Hospital of Cocody. Jésus a fait un signe vertical sur le pied, ça s'est ouvert. Jesus made a vertical sign on the foot and it was open. Et Jésus a nettoyé le pied. And Jesus cleaned the leg. Et il a fait un autre signe, ça s'est fermé. And he made another sign and it was closed. Le premier médecin qui est venu le matin. The first doctor who came in the morning. Était surpris de constater que le pied qui était enflé est devenu normal. Was surprised to see that the leg that was swollen has become normal. Je comprenais que I understood that Dieu est en train de me dire, crois, je peux enlever le cancer. Crois. God was telling me that believe, I can remove cancer. C'est maintenant que vous, et on écoute déjà les témoignages. Jésus a opéré le sein. And we are listening some testimony. Guéri total. Operated the breast. Guérison totale. And total healing. Et il y aura des cas, des milliers de cancers. And there will be cases, thousands of cases of cancer healed. Qu'est-ce que Dieu fait? What does God do? Quand il se révèle, when he reveals himself, il faut saisir la révélation. You must lay hold of the revelation. Si tu doutes, if you doubt, tu restes sur place. You will remain on the spot. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Quand Dieu se révèle à toi, when God reveals himself to you, saisis la révélation. Lay hold of it. Ça veut dire qu'il veut évoluer avec toi. It means that he wants to evolve with you. S'il entre dans un hôpital, if he gets into a hospital, il délivre ta fille. He delivers your daughter. Saisis cette vision là. Lay hold of that vision. Et tu commences à dire, Seigneur, comme tu as fait and à l'hôpital, fais maintenant. And you start saying, oh Lord, as you did it in the hospital, do it now. Nous avons, pour ceux qui étaient là hier, Angelo. For those who were here yesterday, Jésus est entré là, a opéré et a laissé une goutte de sang tomber dans son ventre, ça a nettoyé tout le ventre. Jesus came to him and operated him and let a drop of blood fall into his belly and it get into his belly and
cleans all the belly. Une autre sœur a témoigné. Another sister. Jésus a mis le sang sur sa tête. Testified. Jesus. Ça c'est ce soir même. Put put blood on her head. Le résultat. This afternoon. Guérison totale. Result. Total healing. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Lisez pour nous Exode. Read for us Exodus. Chapitre 6 à partir du verset 1. Chapter 6, reading from verse 1. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom l'Éternel. Amen. Écoutez très bien. Listen carefully. Dieu envoie Moïse en mission. God sends Moses to me into mission. Et la mission était très difficile. And the mission was very difficult. Et il décide d'augmenter la foi d'Abraham. So he decides to increase the faith of Abraham. Il lui dit, he tells him, écoute-moi. Listen to me. Je me suis fait connaître, je me suis révélé à Abraham comme le Dieu Tout-Puissant. I revealed myself to Abraham as the Almighty God. Maintenant, now, je me révèle à toi I reveal myself to you comme l'Éternel. As the Lord. Ça veut dire qu'il n'a pas changé. It means that he has not changed. La foi de Moïse a augmenté. The faith of Moses increased. Quand Dieu veut augmenter ta foi, when God wants to increase your faith, il t'ajoute, il a beaucoup de noms. Il te donne un autre. He has many names, he gives you another one. Le Seigneur se révèle à nous comme celui qui guérit. The Lord reveals himself to us maladie. As the one that heals from all diseases. Saisissons ça. Let us lay hold of it. Le Seigneur se révèle à nous the Lord reveals himself comme to celui us qui renverse les principautés. As the one that overthrows principalities. Les esprits qui domine sur les nations. The spirits that rule over qui the domine nations, sur les familles. That rule over the families. Le Seigneur les renverse. The Lord overthrows them. Alléluia. Praise the Lord. Et le Seigneur nous révèle la position de l'église. And the Lord reveals to us the position of the church. Il dit, he says, comme le Père m'a envoyé, as the Father has sent me, moi aussi je vous envoie. I also send you. On saisit ça. We lay hold of it. On travaille. And we work. Que personne ne vous trompe. Let no one deceive you. Il a dit à Abraham, he told Abraham, tes descendants, your seed, seront assujettis dans un pays étranger. Will be subjected, submitted in a foreign land. Mais je vais les délivrer. But I will deliver them. À travers des grands combats. Through big, great warfares. Saisis cette révélation. Lay hold of this revelation. Toutes les promesses que Dieu a faites à l'église. All the promises God made to the church. On les possède à travers des grands combats que personne ne te trompe. We possess them through great, big warfares. Ne signe pas une alliance avec les démons que Jésus les a déjà enchaînés. Tu dors là et puis le diable travaille. Le diable garde les gens captifs dans l'ivrognerie, la prostitution. Tu vois, tu dis Jésus est déjà mort. Les prostituées n'existent plus. Do not sign a covenant with the devil saying that Jesus has already overcome. There's no more demons. And you even see. Toutes les promesses. All the promises. Retenez ces faits de recherche. Toutes les promesses. All the promises. C'est pas des grands combats. Are through great battles. C'est pour cette raison que Jésus a donné le pouvoir à l'église. That's why Jesus gave the power to the church. Il a révélé son nom à l'église. He revealed his name to the church. Et Dieu a révélé le nom
de Jésus à l'église. And God revealed the name of Jesus to the church. Acte 3 verset 7. C'est par la foi en son nom que son nom a affermi ce que vous voyez. It is by faith in his name that his name strengthened the one that you see. Une jeune sœur a rendu témoignage là. A young sister testified here. Et un esprit s'est tenu devant moi et dit, on va voir qui est fort. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, oh non, je te dis, elle est tombée. A spirit stood before her au nom de said, Jésus. Ça, c'est au nom de Jésus. Now we are going to see who is stronger. She said, the name of Jesus. He fell, he was même knocked les petits over. Enfants, dans leur vision, au even, nom de Jésus, le diable est à terre. Even the little children in their visions, in the name of Jesus, the devil is. Offrande d'acclamation à Jésus Christ. Clap offering to Jesus. Tout, si Dieu t'a promis quelque chose, if God has promised something to you, utilise le nom de Jésus. Use the name of Jesus. Pour libérer le ciel. To release heaven. Pour assécher les océans et les eaux. To dry oceans and waters. Pour commander que les rochers se fendent. To command that rocks be split up. Nous sommes partis en Gambie. We went to Gambia. Une femme intelligente. An intelligent woman. Le genre qui entreprend beaucoup de choses. The kind of woman who undertake many things. Tout s'est bloqué. Tous les projets, toutes les promesses qu'elle avait reçues, les promesses de financement, tout s'était bloqué. All her projects and the promises of funding were blocked. Dans une vision. In a vision. Elle voit tous ses dossiers sous un rocher, c'est-à-dire une grosse pierre est posée sur ses dossiers. She sees her files under a rock. That is, a big rock was on her files. Elle n'avait pas de solution. She did not have any solution. Ce genre-là. This kind. Tu peux faire le brisement des liens. You can go through breaking of evil ties. Ça va seulement te libérer. It will only release you. Mais il faut une armée puissante. But you need a mighty host. Envoyé par Dieu lui-même. Sent by God himself. Pour venir rouler cette grosse pierre là. To come and roll that big stone. Et libérer tes dossiers. And release your files. C'est pour cette raison-là, retenez ça très bien. That's why, retain it, bear this in mind. L'intercession. Intercession. Les supplications. Supplications. Sont inconditionnelles. Cannot be avoided, inconditional. Si tu dors, if you sleep, tu n'auras rien. You will have nothing. Tu vas même causer avec le diable. You will even speak with the devil. Elle va causer avec Satan. Eve spoke with Satan. Mais si tu intercèdes, but if you intercede, Dieu va envoyer des armées. God will send hosts contre les obstacles. Against the obstacles. C'est ça qu'on appelle renverser les principautés. L'action divine. That is what we call overthrowing principalities. That is the divine action. Pour te libérer des oppresseurs. To set you free from the oppressors. C'est ça qu'on appelle renverser les principautés. That's what we call overthrowing principalities. C'est-à-dire tu ne t'occupes même pas, tu sais que Satan existe, tu ne t'occupes pas de lui. Tu dis, oh Père. That is, you don't. Créateur du ciel et la terre. You don't care about Satan himself. You know that he oh, exists. Dieu de toute compassion, say, oh, Father, creator of heaven and earth. S'il est touché, God of all compassion, tu verras ce qu'il va faire à Satan. If he is moved, you will see what he will do to Satan. Donc, l'intercesseur vise exclusivement la grâce, la faveur de Dieu. Il ne s'occupe même pas s'il y a les sorciers à gauche, à droite. Il ne s'occupe pas de ça. So the intercessor only aims at the favor and the grace of God. If there are sorcerers left and right, il a même pitié about des sorciers, il a pitié des sorciers. Un bon intercesseur a pitié des sorciers. A good intercessor
have mercy on we sorcerers. Et il prie même pour eux. And even prays for them. Et j'ai déjà embrassé les sorciers parmi vous. Et quelqu'un dit j'étais sorcier, je suis délivré, je l'embrasse. And I've already et on rend grâce à Dieu. Hugged with sorcerers in our midst. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Donc, j'ai dit que nous la nuit devait être consacrée à la prière pour nos familles. So I said that the night was to be devoted to prayer to our family. Nous allons continuer. We continue. Tu dis à Dieu. You tell God. Pardonne. Forgive. Souvenez-vous de la prière de Daniel. Pardonne. Remember the prayer of Daniel. Pardonne. Forgive. Pardon. Forgive us. Forgive. Pardonne-nous. Pardonne. Forgive us. Forgive us. Toutes les souffrances là. All the sufferings. C'est nous-mêmes. It is we ourselves. Les gens ont laissé, depuis le jardin d'Éden, on a dit à Ève que vous serez des dieux. Ils ont cru. Since the Eden Park, it was told to Eve that you will be gods. They believed. Dieu a dit, n'en mangez pas, vous allez mourir. God said, do not eat of it, you will die. Le diable a dit, mangez, vous n'allez pas mourir. The devil said, eat, you will not die. Faites un tour à la mort. Make a turn at the mortuary. Vous saurez qui a dit la vérité. You will know who said the truth. Ce que Dieu a dit en une seule phrase. What God said in only one word. C'est ça qui s'accomplit tous les jours, tous les jours. It is that which is fulfilled every day, every day. Tes ancêtres sont partis. Il dit, il y a la guerre vient contre nous. Ils s'en vont ramasser un esprit. Il dit, viens protéger la famille. Your ancestors go, they say there is war against us, and they go and take a spirit. They say, come and protect the family. Maintenant, chaque année, quelqu'un doit partir. Now, every year, someone must go. Every year. Les villages sont déserts. Villages have become deserted places. Les oiseaux, birds, habitent les maisons. Now live. Les chauves-souris, in the houses, the bats. Les habitants sont partis. The inhabitants have gone. La route est devenue une petite piste. The road have become a little pathway. Voilà les conséquences. Here are the consequences. Fausse couche, fausse couche, fausse couche, fausse couche. Les génies réclament les services rendus. Miscarriage, miscarriage. The spirits, they claim the services that you gave. Le plus intelligent devient un ivrogne. The most intelligence becomes a drunkard. Il n'y a pas de différence entre celui qui était à l'école et celui qui n'est jamais allé à l'école. There's no difference between the one that went to school and the one who never went to school. Les conséquences. The consequences. De l'idolâtrie. Of idolatry. Il n'y a pas de bon diable. There is no good devil. Il n'y a pas un Satan qui protège les gens et un autre qui tue les gens. There is no Satan who protects people and another one that kills people. Et qu'est-ce que dit Jésus? And what does Jesus say? Le voleur the thief ne vient que pour voler. Que personne ne te trompe. Le voleur ne vient que pour dérober. The thief does not come except to steal. Vous voyez? You see? Les pythons qui sont venus pour protéger. The pythons that came to protect us. Quel est leur salaire? What is the wage? Les bénédictions de la famille sont dans son ventre. The blessings of the family are in its stomach. Les diplômes des enfants sont dans son ventre. The certificates of the children are in its stomach. La famille est pleine de chômeurs. Les génies prennent tout. There are many people who do not have job in the family. Que personne vous trompe. Ce sont des vérités. Ce sont des vérités. Let no one deceive you. These are truths. These are truths. Dès que tu es délivré. As soon as you are delivered, tu commences à jouir de tes bénédictions. You start enjoying your blessing. Mais il faut des combats. But c'est là où personne ne doit te tromper. You need warfare. Si where no one should deceive you. Si c'était le jeu.
If it was a joke, Jésus n'allait pas descendre dans le monde. Jesus wouldn't have come and come down into the world. Jésus n'allait pas bâtir l'église. Jesus wouldn't have built up the church. L'église est une puissance que Jésus est venu implanter dans le monde pour s'opposer à toute la sorcellerie. The church is a power that Jesus came to plant into the world in order to oppose witchcraft. Et il a béni l'église. And he blessed the church. C'est pour cette raison. That's why. Que si tu mènes tes combats seul, if you go through your battles alone, tu as déjà perdu. You have already lost. Et si tu n'aimes pas les frères, and if you do not love the brethren, tu as déjà perdu. Tu es hors jeu. You are a loser. You are out of topic. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Non. Tiens-toi debout. Stand on your feet. Dis à Jésus. Tell Jesus. Si tu parles, if you speak, les choses vont changer. Things will change. Dis-lui que tu reconnais. Tell him that you acknowledge. Tu reconnais. You recognize que toi et tes parents vous êtes partis chercher le gorille. That you and your parents went to fetch the gorilla. Pour faire quoi? To do what? Pour gagner les luttes traditionnelles. To win traditional fights. Et tes ancêtres étaient là. Ils attrapent quelqu'un, ils renversent. Maintenant, toi, tu vas aller aux États-Unis, tu vas avoir l'argent. Le gorille ne connaît pas ça. Il sait battre les gens. Maintenant, les gens ne veulent même plus lutter. Now, your ancestors are there. After fetching the gorilla, they catch people, beat them, they fight people. Now, you want to go to the United States, you want money. The gorilla does not know this. Tu bouscules même quelqu'un violemment, il te met en prison. And when you touch someone, he takes you to, violently, he takes you to donc, prison. Donc, Dieu est inutile, faut le jeter dehors. So your God is useless. You must cast him outside. Les parents sont partis chercher quoi? What did your parents go to fetch? Il dit on veut attraper beaucoup de poissons à la pêche. They said that we want to catch many fish at the fishing. Et il dit nous sommes tes enfants. Ils disent au génie hein, nous sommes tes enfants. Nous voulons les poissons. Il dit que oui, je suis votre maître. Allez à la pêche, vous aurez beaucoup de poissons. And they tell to the ghost, we are your children. And they say yes, I am your master. Go. Fishing. Et à you will catch many fish. Il va à une petite rivière là, ramène beaucoup de poissons. On dit ah, il est puissant, il est un grand pêcheur. And he goes to a little stream or river. He comes out with many fish, and they say ah, he's mighty. Nous sommes en 2021. We are in 2021. Pour manger le poisson, on a besoin d'aucun génie. To eat fish, we need no ghost. Partout là, tu vas seulement acheter. You just go to buy. Les petits enfants jouent à la lagune, là, ils lancent les filets et ils tirent les poissons. Little children, they go to the lagoon and cast the alors, nest and they catch. C'est lui qui fish. A vendu ses filles aux génies. Tous sont devenus des époux des démons all pour those, manger le poisson. Est-ce qu'on a besoin d'un démon qui donne le poisson? So he sold. Il y a même quelqu'un parmi nous ici qui veut aller s'installer comme pêcheur. Do we need the demons to eat fish? Chacun va attendre que ses enfants réussissent à l'école. Is there someone who would like to become a fisher? Each one want to evolve. Chacun va attendre qu'ils ont inventé des choses scientifiques. Each one want to hear that his children have invented scientific things. Si quelqu'un te voit même en train de pratiquer avant de jeter ton filet, il va se moquer de toi. If someone sees you practicing before casting your nest, he will mock you. D'autres ont fait ça pour tuer les gibiers. Others did this in order to kill animals. Ils créent une fosse. They ils sacrifient sa famille. Il dit il faut qu'une biche tombe dedans. They dig a hole and sacrifice their family and say that an animal must fall in. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin même de magie pour manger la viande. You don't need any magic to eat bush meat. Donc ces dieux-là servent à quoi? So what do those gods serve? C'est pour cette raison que Dieu avait prophétisé que les idoles seront jetées aux chauves-souris et aux rats. That's why God prophesied that idols will be cast to bats and rats. Parce qu'elles ne servent plus à rien.
Because there's no advantage. They have no more advantage. Tu proclames ce jugement. You proclaim that judgment. Tu dis à Dieu qu'il est juste, il est bon, il est juste. You tell God he's righteous, he's good, he's righteous. Tu lui demandes de pardonner. And you ask him to forgive. Tu dis regarde cette perte, le temps perdu. You say, oh Lord God, look at the lost time. Totem chauve-souris. They say your totem is a bat. Totem tortue. Your totem is a tortoise. Vous voyez? You see? La Bible dit. The Bible says. Brisons les liens. Let us break the ties. Libérons-nous de les chaînes. Let us set ourselves free from the chains. Alléluia. Praise the Lord. Lève tes mains. Raise your hands. Dis Père. Say Father. Merci. Thank you. Parce que tu nous as envoyés. Because you have sent us. Dis-lui Père. Say Father. Nous voyons. We see. Dis oh Jésus Christ. Say oh Jesus Christ. Tu as réussi. You succeeded. Grâce à toi. Nous voyons la lumière. Thanks to you, we see light. Oh Seigneur. Oh Lord. Oh, la lumière est merveilleuse. La lumière est merveilleuse. Light is wonderful. Light is wonderful. Oh, la lumière est merveilleuse. Oh, light is wonderful. Oh, la lumière de Dieu. Light of God is wonderful. Commence à adorer Jésus comme celui qui est venu enlever les écailles. Start worshiping Jesus as the one who came to remove the scales. Nous voyons la lumière. We see the light. Nous pouvons distinguer le vrai du faux. We can distinguish the true from the la lumière de Jésus-Christ. Oh, the light of Jesus Christ. La lumière de Jésus-Christ. The light of Jesus Christ. La lumière de Jésus-Christ. The light of Jesus Christ. La lumière de Jésus-Christ. The light of Jesus Christ. Oh Seigneur Jésus. Oh Lord Jesus. Même les petits enfants. Even the little children. Voient la lumière. See the light. Voient la lumière. See the light. Voient la lumière. See the light. Continue à prier. Continue to pray. Ora bakashara 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 bakashara. Ora bakashara bakashara bakashara. Dieu Père, say, oh Father, exauce notre prière. Grant our prayers. La prière des enfants. The prayer of your children. Qui voient. Who see. Qui ont vu la lumière. Who saw the light. La prière des enfants. The prayer of the children. Qui ont reconnu leur père. Who recognize their father. Qui ont reconnu leur père. Who recognize their father. Qui savent que tu es dans les cieux. Who knows that you are in heaven. Que tu n'es pas dans la poussière. That you are not in the dark. Tu n'es pas dans la forêt. You are not in the forest. Tu n'es pas dans l'eau. You are not in the water. Tu es dans les cieux. You are in heaven. Dans les cieux. In heaven. Sur le trône de justice. On the throne of justice. Dis exauce notre prière. Oh, say, answer our prayer. La prière des enfants qui ont reconnu le Créateur. The prayer of the children who have recognized the Creator. La prière des enfants qui ont reconnu le Créateur. The prayer of the children who have recognized the Creator. Oh Père, exauce notre prière. Oh Father, answer our prayer. Oh Père, exauce notre prière. Oh Father, answer our prayer. La prière des enfants qui désirent le règne de leur père. Prayer of children who desire the le reign of the Father. The reign of the Father. Oh, nous dis par notre idolâtrie. Oh, say by our idolatry. Nous nous sommes soumis au règne des méchants. We submitted ourselves to the reign of the wicked. Selon qu'il est écrit dans le prophète Isaïe. As it is written in prophet Isaiah. Chapitre 26 verset 13. Chapter 26 verse 13. Que d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Our masters different from you. Oh, c'est pas ta grâce seule que nous invoquons ton nom. It's only by your grace that we call upon dis, your name. Oh Jésus Christ. Oh Jesus Christ. Merci pour ta grâce. Thank you for your grace. Merci pour ta grâce. Thank you for your grace. Qui nous permet aujourd'hui that allows us today d'invoquer le Père. To call upon the Father. D'invoquer le Père. To call upon the Father. Afin qu'il donne des ordres. That he gives so that he gives orders. Oh pour notre délivrance. For our deliverance. Pour notre délivrance. For our deliverance. La délivrance de notre propre folie. La délivrance de notre propre méchanceté. Deliverance from our own wickedness. Ces idoles. These idols. Et ces malédictions. And those curses. Que nous avons introduit dans nos familles. That we introduce in our families. Nous avons fait ce que nos pères ont fait. We did what our fathers did. Et nous avons fait les mêmes choses. And we did the same thing. Et nous nous sommes même enflammés dans d'autres désirs. And we set ourselves on fire. Et nous avons desires. Même commis d'autres abominations. And we committed our abominations. Qu'ils n'ont même pas connu. Nous ne sommes pas différents d'eux. We are not different from them. Those who didn't nous know pas différents d'eux. We are not different from them. Continue à prier. Continue to pray. Dis à Dieu tout ce que tu peux lui dire. Tell God all that you can tell him. Dis-lui ce que tu peux lui dire. Tell him what you want to tell him. Dis-lui ce qui peut
toucher son cœur. Tell him what can move his heart. Dis-lui, parle-lui comme un enfant parle à son père. Speak to him as a child speak to his father. Parle-lui. Speak to him. Comme un enfant parle à son père. A child speak to his father. Parle-lui. Speak to him. Parle-lui. Speak to him. Jésus a dit, Jesus said, quand vous priez, when you pray, dites, say, oh notre Père qui est aux cieux. Oh our Father which is in heaven. Invoque ton Père. Call upon your Father. Dis-lui que c'est toi mon Père. Tell him you are my Father. Dis-lui c'est toi mon Père, c'est toi mon Père. Say you are the one who is my Father. Dis-lui c'est toi mon Père. Say you are my Father. Dis je me détourne des idoles. Say I turn away from idols. Je me détourne de l'enseignement des idoles. I turn away from the teaching of the idols. Je proclame que c'est toi I mon Père. Proclaim that you are the one who tu is the peux nous délivrer. You can deliver. Tu peux sauver ma famille. You can save my family. Tu peux nous sauver. You can save tu us. Peux nous délivrer. You can deliver. Oh Seigneur. Oh Lord. Oh Seigneur de lumière. Oh Lord. Oh Dieu de compassion. Oh God of compassion. Dieu de compassion. God of compassion. Dieu de compassion. God of compassion. Ora jor baga gobo jer baga gobo jer baga. Ora baga jor baga gobo jer baga gobo jer baga. Ora baga jor baga gobo jer baga. Dis, oh Père, oh Father, délivre-nous de tous les blocages. Deliver us from all the blockages. De tous les blocages. From all the blockages. De toutes les maladies. From all the sicknesses. De toutes les malédictions. From all the curses. Que nous avons récoltées. That we harvested. Depuis des générations. Since generations. Depuis des générations d'idolâtrie. Since the generation of idolatry. Continue à prier. Continue à prier. Dieu Père, oh Father, délivre-nous des envoûtements. Deliver us from bewitchments. Des envoûtements. From bewitchments. Qui résultent. Which result. De ces siècles d'idolâtrie. From those centuries of idolatry. De tous ces siècles d'idolâtrie. From all those centuries of idolatry. Et de méchanceté. And wickedness. Continue à prier. Continue à prier. Pray. Dieu Père, oh Father, toutes choses te sont possibles. All things are possible. Toutes choses te sont possibles. All things are possible. Agis, agis, act, agis, act, agis, act, agis. Act, pardonne, forgive, exauce, forgive, exauce, agis, grant, pardonne, forgive, exauce. Forgive, oh Père, act, oh Père, act, par tes compassions, forgive, par tes compassions, by your par ta grâce, by par ta grace, grâce, by par ton grace, amour, by par ton love, amour, by par ton amour, by your agis, Père, act, agis, Père, 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 agis, tu peux t'asseoir. Get seated, please. Si tu es là pour la première fois, if you are here for the first time, tu es béni. You are blessed. Tu vois qu'il est absolument nécessaire que tu te réconcilies avec ton Dieu. You see that it is absolutely necessary for you to reconcile with your God. Tu dois donner ta vie à Jésus. You must give your life to Jesus. Nous venons de demander pardon. We have just asked God to forgive us. Pour les œuvres de nos ancêtres et de nos propres œuvres. For the works of our ancestors and our own works. Toi, tu ne l'as même pas encore fait à ton niveau personnel. You have not even done it at your personal level. Dieu veut God wants que toi-même, that you yourself, en tant qu'individu, as individual, tu décides you decide d'arrêter ces choses-là to stop these things, et de donner ta vie à son fils and to give your life to his son, à ton niveau personnel. At your personal level. Il faut que Jésus règne sur toi. Jesus must reign over you. Si tu veux que Jésus vienne dans ta vie, if you want Jesus to come in your life, lève ta main. Raise your hand. Oui, venez, venez. Yes, come, come. Que tout cela, faites comme elle. Do as her. Lève-toi et viens. Rise up and come. Tous ceux qui doivent donner leur vie à Jésus, faites comme elle. All those who must give their life to Jesus, do as our sister. Elle est venue étant prête. She came being ready. Rapidement, rapidement. Speedily. Tu dois donner ta vie à Jésus. You must give your life to Jesus. Lève-toi et viens. Rise up and come. Toi, tu es encore dedans. Tu pratiques ces choses-là. You are still in these things. You practice them. Tu pratiques le mensonge volontairement. You practice lie. Tu vis dedans. Deliberately, you live in it. Tu vis dans la sorcellerie. You live in witchcraft.
Même si tu sors de ton corps, on va te délivrer. Even if you get out of your body, we will deliver you. Mais si tu as honte, but if you are ashamed, tu vas mourir dans ta sorcellerie. You will die in your witchcraft. Qui d'autre? Who else? Qui était avec Jésus et il a retrogradé? Who was with Jesus and he backslided? He wants to come. He backslid. He wants to come. Lève ta main. Raise your hand. Oui, viens. Yes, come. Qui d'autre? Who else? Qui d'autre? Who else? Ce n'est pas fini. Vous savez que le diable est malin. Il te dit, ne pars pas aujourd'hui, tu vas aller demain. It's not finished. Dis non. You know the devil is cunning. He tells you, do not go today, you go tomorrow. He say, la no. Bible dit, the Bible says, aujourd'hui, today, si vous entendez sa voix, hear his voice, n'endurcissez pas vos cœurs. Do not harden your heart. Il y a un temps où Dieu appelle quelqu'un. There's a time when God calls someone. Décide tout de suite. Decide right now. Ce qui cause ta ruine, Israël, c'est que tu as été contre moi, contre celui qui pouvait te secourir. Amen. Tu as un problème, oui. You have a trouble, yes. Tu es malade. You are sick, oui. Yes. Tu veux la guérison. You want healing, oui. Yes. Dieu dit, God says, ton vrai problème, your true problem, c'est pas ta maladie. It's not your sickness. Ton vrai problème, your true problem, c'est pas cet obstacle. It's not that obstacle. Ton vrai problème, your real trouble, tu es contre lui. Is that you are against him. Tu es contre celui qui peut te secourir. You are against the one that can help you. Il dit Israël. He says Israel. Ce qui cause ta ruine, what causes c'est que tu es contre celui qui peut te secourir. You are against the one that can rescue you. C'est le fait de fuir Jésus là. It's the fact of fleeing from Jesus. Qui va te amener à la perdition. That will à lead la you, ruine totale. That will lead you to perdition, that c'est total ça qui ruin. Va t'éloigner de l'exaucement de Dieu. That's what which will take you far away from the answer of God. Lève-toi, tu viens. Stand up and come. Lève-toi, tu viens. Stand up and come. Si tu dis non à Jésus, if you say no to Jesus, la soirée est finie pour toi. The afternoon is finished for you. Là où vous êtes, where you are. C'est ça qu'on appelle donner la vie à Jésus. That's what we call giving the life to Jesus. C'est-à-dire on prêche. That is we preach. Et on demande que ceux qui veulent croire viennent. And we ask those who want to believe to come. Dès que vous vous levez. As soon as you get up. Dès que vous vous levez. As soon as you get up. La grâce descend sur vous. The grace of God comes down on you. Dès que vous vous levez, as soon as you get up, la grâce descend sur vous. The grace comes down on you. Et là où vous êtes, and where you are, il y a les anges de Dieu. There are angels of God. Il y a les frères et sœurs qui vous regardent. And there are brethren and sisters who are looking at you. Vous êtes en train de témoigner. You are testifying que vous aimez Jésus en public. That you love Jesus in public. Vous n'êtes plus les mêmes. You are no more the same. Quand vous allez rentrer, when you go back home, dites à vos amis, tell your friends, que nous avons donné nos vies à Jésus. That we have given our life to Jesus. Ils vont vous respecter. Le Saint-Esprit va imposer le respect en eux. The Holy Spirit will impose respect in them. Certains viendront chercher le conseil chez vous. And some will come and ça va vous seek étonner. Advice with you. You will be astonished. Les situations bloquées seront débloquées. Blocked situation will be unblocked. Ça fait partie des promesses de Dieu. This is part of the promises of God. Il a dit, je vais remplacer les années que les sauterelles ont dévorées. He says that
I will replace the years that the grasshoppers have devoured. Ça va vous surprendre. It will surprise you. Levez vos mains. Dis, Seigneur Jésus. Raise your hand. Say, Lord Jesus. Seigneur Jésus. Lord Jesus. Je te donne ma vie. I give you my life. Je te donne ma vie. I give you my life. Je te donne ma vie. I give you my life. Pardonne-moi tous mes péchés. Forgive all my sins. Je ne suis rien. I'm nothing. Mais je me suis mis à pécher contre toi. But I started sinning against you. En parole. In words. En pensée. In thought. Et en action. And in action. À partir de maintenant. Starting from now. Je te donne ma vie. I give you my je life. Je veux t'obéir. I will obey you. Je veux t'obéir. I will obey je you. Sais. I know que tu me rendras capable. That you will make me je able. Sais I know que tu me rendras capable. That you make me able. Maintenant, tendez les mains vers ici. Now, stretch your hand here. Prions qu'il soit béni. Let us pray that they be prions blessed. Que la grâce de Dieu soit avec eux. Let us pray that the grace of God rest on prions them. Que le chemin de Dieu soit frais devant eux. Let us pray that the way of God be paved prions before ensemble. Them. Let's pray together. Prions que ceux qui sont malades guérissent. Let's pray that those who are healed are sick. Possédés soient délivrés. Are sick be healed and those who are possessed be delivered. Possédés soient délivrés. Possessed be delivered. Qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Let them be filled with the Holy Spirit. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Nous vous séparons de la malédiction. We separate you from curse. Nous vous séparons de la malédiction. We separate you from curse. Nous vous séparons de l'idolâtrie. We separate you from idolatry. Nous vous séparons de l'idolâtrie. We separate you from idolatry. Que les malades let the sick be healed. Que ceux qui sont malades soient guéris. Let those who are sick be healed. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Amen. Amen. Merci, merci. Thank you, thank you. Tenez-vous debout. Stand on your feet. Lis Isaïe 43, verset 13. Read Isaiah 43, verse 13. Je le suis dès le commencement et nul ne délivre de ma main. J'agirai. Qui s'y opposera? Amen. Continue. Continue. Verset 14. Ainsi parle l'Éternel, votre Rédempteur, le Saint d'Israël. À cause de vous, j'envoie l'ennemi contre Babylone. Et je fais descendre tous les fuyards, alléluia. Même les Chaldéens, sur les navires dont ils tiraient gloire. Alléluia. Amen. Ce sujet-là, this topic, nous allons l'élever. We are going to raise it. Et Dieu va agir. And God will act. Dis-lui, Seigneur, je ne suis pas fort. Tell him, Lord, I'm not strong. Dis, regarde mes adversaires. Say, look. At my adversaries. Regarde le nombre de ceux qui désirent mon échec. Look at the number of those who desire my failure. Regarde leur armure, leurs armes. Look at their weapons. Écoute leurs menaces. Listen to the threat. Tu as dit you said qu'à cause de moi that because of me, tu envoies l'ennemi contre Babylone. You will bring the enemy against Babylon. Accomplis cette parole. To accomplish his word. Maintenant même. Accomplish this word now. Pour renverser tout obstacle. To overthrow any obstacle. Pour détruire les projets de haine. To destroy the project of les hatred. Projets de haine. The project of hatred. Les projets de haine. The project of hatred. Continue à prier pour toi-même. Continue to pray. Dis, oh Père. Say, oh Father. Agis dans le monde invisible. Act in the invisible world. Et agis dans le monde visible. And act in the visible world. Agis dans le monde visible. Act in the invisible world. Tu as dit dans ta parole. Say in your word. Je serai l'ennemi de tes ennemis. I will be the enemy of your enemies. L'adversaire de tes adversaires. The opponents of your opponents. Oh Père. Oh Father. Envoie. Send. Envoie des armées. Send armies. Contre ceux qui sont mes Babyloniens. Against those who are my Babylonians. Contre ceux qui sont mes Babyloniens. Against all those who are my Babylonians. Continue à prier avec force. Continue to pray. Ora bakashara 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 bakashara. Ora bakashara bakashara bakashara. Ora bakashara 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 bakashara. Ora bakashara bakashara bakashara. Ora 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 bakashara bakashara. Raga Uriya bakasede kere baltarama Uriya bakasede kabase garabahina
Dis Père, say Father, que rien ne reste debout. Let no nothing stand. Que tout soit renversé. Let all of them be pulled down. Que tout soit renversé. Let all be pulled que down. Que ce qui doit être déraciné soit déraciné. Let that which shall be uprooted be uprooted. Que ce qui doit être abattu soit abattu. Let which one that be cut be cut. Que ce qui doit être dispersé soit dispersé. Let that which should be que les langues soient liées, les langues soient liées. Let que les langues soient condamnées, liées, condamnées, liées. Let the tongues be oh Père, envoie ton armée. Father, send your army contre ceux qui veulent m'écraser. Against those who want to crush me. Ceux qui désirent ma ruine. Who desire my destruction. Tous ceux qui veulent fermer le ciel au-dessus de moi. All those who want to shut heaven upon me. Tous ceux qui veulent fabriquer des portes devant moi. Those who want to make doors. Que ta parole foudroie. Let your word strike. Que tes armées soient déployées. Let your army be deployed. Continue à prier. Continue to pray. Dieu Père, oh Father, que ceux qui sont venus par un chemin rentrent par sept chemins. Let those who came by one way go back by seven ways. Oui, Père, oui, Père. Say yes, Père. Qui rentrent par sept chemins, sept chemins. Let them go back dans la confusion totale. Dans la confusion totale. Dans la confusion totale. Dans la confusion totale. Continue à prier, Dieu Père, oh, Father, s'il y a parmi nous des frères à qui on doit de l'argent the problem, et les gens ne veulent pas rembourser son argent, that people owe them money, they want ordonne to command que cet argent lui soit restitué. That those money be restituted. S'il y a parmi nous if in our midst there un frère dont le dossier est bloqué quelque part, a brother whose file is blocked somewhere, ordonne Père, command, Father, que son dossier soit débloqué. That is filed behind. Oh, donne des ordres. Give orders. Comme tu as promis. As you promised. À cause de nous. That because of us. Tu envoies les ennemis contre Babylone. You send enemies against Babylon. Que tu envoies les ennemis contre Babylone. You send enemies against Babylon. Que toute situation bloquée soit débloquée. Let any blocked situation be unblocked. Toute situation bloquée soit débloquée. Let any blocked situation be unblocked. Prie avec violence. Prie avec violence. Pray with violence. Kala bakasa barakasara. Lift your hand. Raise your hand. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Dis Père. Say Father. S'il y a dans ce monde. If there is in this world. Avant de prier comme ça. Before praying like this. Rassure-toi que tu n'es pas jaloux. Make sure you are not jealous. Ce sujet qu'on va donner là. This topic we are going to give. C'est le sujet de prière des frères qui aiment les gens. It's the prayer topic of the brethren who love people. Qui ne sont pas astucieux. Who are not cunning. Qui n'exploitent pas les gens. Who do not exploit people. Si tu exploites les gens. If you exploit people. Tu pries comme on va prier là. You pray as we are going to pray. Tu vas bloquer ta vie. You will block your life. Parce que Dieu va exaucer contre toi-même. Because God will grant against yourself. Against d'abord, je donne 30 secondes pour régler ton cœur. So I give 30 seconds to settle your heart. Pour dire Seigneur. Say oh Lord. Béni, béni, béni. Bless, bless, bless. Béni la personne. Bless the person. Et tu dis pardonne-moi. And you say forgive me. Dis-lui je ne suis pas sage. Say I'm not wise. Maintenant dis Père. Now say Father. S'il y a dans ce monde. If there is in this world. Quelqu'un qui a juré. Someone who has sworn. Que tant qu'il est là. That as long as he's there. Je ne peux rien devenir. I can become nothing. S'il le fait en parole. If he does it in word, ou en attitude, or in attitude, pas de manœuvre, by works, pour que je sois planté sur place, for me to be planted on the spot, pendant que lui il évolue, while he is evolving, dit Père, say Father, enlève-le de mon chemin, remove him from my way, dit Père, Father,
Enlève-le de mon chemin. Remove him from my way. Père, enlève-le de mon chemin. Remove him from my way. Prie en langue. Pray in tongues. Lève ta main droite. Raise your right hand. Dis Père. Say Father. Il est écrit. It is written. Quiconque se liguera contre toi. Whoever shall rise against me. Tombera sous ton pouvoir. We shall fall under your power. Dis Père, il est écrit. Say Father, it is written. Toute arme forgée contre toi. Any weapon that is against me will be without effect. Dis le Père, il est écrit. Say Father, it is written. Que toute langue qui se liguera en justice contre toi. That any tongue that rise up in justice against me. Tu la condamneras. I shall condemn it. Dis Père. Say Father. Que tous mes adversaires. Let all my opponents. Soient sous mes pieds, comme ta parole déclare. Be under my feet as your word. Declares. Tout ce qui s'oppose. All those who opposes. Oppose. À ma croissance spirituelle. To my spiritual growth. Biblique, to my reading of Bible. À mes méditations. To my meditation. À mon ministère d'évangélisation. To my ministry of evangelization. Tout ce qui est obstacle. All that is obstacle. Esprit méchant. Wicked spirit. Ou homme méchant et pervers. And tout ce qu'on appelle adversaire. That we can call adversary. Contre mon progrès. Against my progress. Against dans my ton progress. Ministère. Against my ministry. Au nom de Jésus. In the name of je Jesus. Le soumets. I am sous mes pieds. I submit him under Dieu. My feet. Comme, lève ta main. Raise your hand. Dis toute arme. Say any weapon. Utilisé par les ennemis. Used by the enemy. Contre moi. Against me. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Qu'elle soit brisée. Let it be broken. Dis toi langue perverse. He said you, perverse tongue. Qui se lève. Which rises. Contre moi. Against me. Je te condamne. I condemn you. Tu es perverse. You are je te condamne. I condemn you. Et je te lie à ton palais. I bind you to your palace. Kalabasa karabala kasaba kasi karaba kura bakala bakarabaka kura bakala bazara bakasaba karika bakasaka kuru bakashiti ribatanda ramasindi yuri dalbase ku zakai na mazini yuri dalbase tekeri balta roya kabane zinaida glory dalbase mi yuri dalbase tekeri dalbaka kura bakara bakashire baka kura baka kuri ya bakasere bakasaba kasaka. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Get seated, please. Pour rester sur ces sujets, on finit demain et on engage la lutte contre les démons qui sont à chasser. So you remain on this topic and we finish tomorrow and we will start. Il y a des grands témoignages dans les great testimonies de l'équipe de délivrance. From the team of deliverance. Et j'ai dit aux frères de compter le nombre de personnes délivrées. I told the brethren to count the number of people who are delivered. Mais surtout de compter le nombre de démons chassés. But above all, to count the number of demons that have been cast. Parce qu'on peut chasser 10 démons sur une seule personne. Because you can cast 10 demons on one person. Hier, je pense qu'on a chassé plus de combien de démons? Yesterday we cast combien? More than how many? 120. How many? 120 démons sur 88 personnes. 120 demons on 88 people. Et hier seulement. Only yesterday. Sinon on aura le rapport demain. But we have the report tomorrow. Donc quand vous venez demain. So when you come tomorrow. Et faites l'effort pour arriver tôt. Make the effort to come earlier. Parce que vous savez, c'est comme une course. You know, it's just like a race. De résistance. Of resistance. Donc, nous sommes déjà au 26e jour. We are now at the 26th day. Ce qui est vrai, c'est que certains commencent déjà à aller un peu doucement. What is true is that some are now mais il faut going garder le slowly. Même rythme. But you must keep the same rhythm. Arriver à l'heure. Come on time.
Comme ça, on écoute tous les témoignages. Les témoignages glorifient Dieu. Ce n'est même pas pour nous. So that we listen to all the testimonies and the testimonies glorify God. Jésus a dit, n'était-il pas 10 où sont partis les 9 autres? Jesus said, he didn't say what, where the 9 others went. Il y a une chose. There is one thing. La louange n'est pas encore suffisante. The praise is not enough yet. S'il n'y avait pas de semeurs, ça allait être difficile. If there were no sowers, it would have been difficult. La louange populaire. The popular praise est une puissance spirituelle. Is a spiritual power. S'il y a 10 000 personnes. If there are 10,000 people. Et 200 sont joyeux, joyeuses. And 200 are joyful. Ça pose un problème. There's a problem. Ça montre un peuple ingrat. It shows an ungrateful people. Qui n'attend que le temps de demande. Who just wait for the time or, of request. Or, c'est la louange qui fait descendre Dieu. But it is the praise that brings God to come to descend. Quand la louange commence, when the praise tu starts, te débarrasses de ta personnalité. You must get rid of your personality. Tu ne t'assois pas comme un ministre qui voit les semeurs livrer un spectacle et ils sont contents. You don't sit like a minister who sees the sowers making a spectacle and they are happy. La louange seule, praise alone, peut faire que Dieu ordonne que des légions l'accompagnent, nous rendent visite. Can bring God to command that legions of angels come with him to visit tu us. Tu ne vas pas les voir. You will not see them. Sauf s'il trouve nécessaire. Only if he finds it necessary. Il vient, il écoute, il voit. He comes and listens and he sees. Et quand le frère Zach avait prié en 2007. When Brother Zach prayed in 2007, j'avais remarqué une chose. I remarked one thing. I noticed one thing. Il s'est assis. He sat down. Et il a baissé la tête. And he bowed his head. On a dansé, dansé. We il était là, danced and danced and danced. He was there. Toute la poussière que les pieds soulèvent là, il était assis. Oh, the dust that was up. He was sitting there. Quand il s'est levé, when he stood up, c'était pour donner des guérisons authentiques. It was to give genuine healings. Donc, ne tuez pas la croisade. So, do not kill the crusade. Il faut être éveillé. Et si quelqu'un, et dites aux invités que s'ils ne veulent pas donner la vie à Jésus, qu'ils ne viennent pas parce que ce n'est pas la prière œcuménique. So, and tell. Parce qu'ils vont dépenser leur argent pour rien. You must remain awake. Tell those you invite that if they don't now they don't want to give the Lord to Jesus. Dites-leur qu'ils viennent écouter la parole. Tell them that they are coming to listen to the word. Pour qu'ils donnent leur vie à Jésus. In order to give their life to Jesus. Que Jésus les délivre. And for Jesus to deliver them. Nous ne sommes pas hypocrites. We are not hypocrites. C'est pas qu'on te tend un piège, viens nous accompagner, après tu trouves un prédicateur qui gesticule. It's not that we are. Tu viens. You come. Pour écouter la parole. To listen to the word. Pour donner la vie à Jésus. To give your life to Jesus. Pour libérer tes propres bénédictions. And to release your own blessings. De telle sorte que. So that. Quand tu refuses Jésus. When you refuse Jesus. Tu rentres avec tes malédictions. You go back with your curses. C'est écrit dans la Bible. It is written in the Bible. Ils ont endurci leur cœur. They hardened their heart. De peur qu'ils ne se convertissent pas. Lest they don't get converted. Et que je ne les guérisse. And that I don't heal them. Donc Dieu a mis la guérison. So God has put healing. C'est-à-dire tu passes par la repentance, la conversion, et puis Dieu te guérit. So there is a process. You start by repentance and baptism, and then you come to the healing. Nous ne trompons pas les âmes. We don't deceive souls. Ne disons pas aux gens, venez, vous allez être bénis, venez, venez. Non, non. We don't tell them, come, you'll be blessed. Come, you'll be blessed. Dieu a dit au prophète Israël. God told the prophet Isaiah. Que je ne les ai point envoyés. I didn't send them. S'ils avaient assisté à mon conseil. If you were at, you came to my counsel. Ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple. They would have made my people hear my word. Et les aider à revenir de leur mauvaise voie. And help them turn away from the evil ways. Dieu aime. God loves. Quand on amène les gens. When we bring people. À quitter le péché. To leave sin.
Si bien que si on te montre le chemin, so that when you are shown the way, et tu dis que toi tu as ta religion, and you say that I have my religion, alors qu'on te montre Jésus, we show you Jesus, tu as perdu, and you have lost. Si on te présente deux religions, tu peux choisir une. If you present you two religions, quand you can choose one. Quand on te présente le Fils de Dieu, when we present you the Son of God, ne le compare pas à ta religion. Do not compare him to your religion. Pose-toi la question. Ask yourself the question. Est-ce que je l'ai reçu comme on me demande? Have I received him as they are asking me? Si tu ne l'as pas encore fait, if you have not done it, tu le fais d'abord pour ton propre salut. You do it first for your own salvation. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Il y a des gens qui dorment ici. There are some people who sleep here. Est-ce que tu peux venir dormir ici pour le pain quotidien, pour manger? Can you come and sleep here for daily bread to eat? Les oiseaux mangent sans prier. The birds eat without praying. Nous sommes là. We are here. Parce que c'est la bénédiction qui vient de Dieu qui est éternelle. Because it is the blessing that is from God that is eternal. Et c'est elle que chacun recherche. It's that blessing that each one is seeking. Moi-même, je la cherche. Vous voyez, voilà ma maison là. I myself, I'm seeking it here. Donc, here container. Is my house. Alléluia. Praise the Lord. Je suis dedans. I'm there. Quand tu es dedans, Dieu va dire que mais le petit là, il dit quand même allons là-bas. When you are there, God will say that little man, what is he saying? Let us go there. Acclamation à Jésus-Christ. Ovation to Jesus. À demain. Tomorrow.